C'est intéressant dans le cas des chrétiens, c'est ce qu'on a mis, mon ami Valentin appelle, je ne sais plus comment il appelle ça, une sorte de renversement accusatoire. C'est peut-être tout à fait l'expression qu'il utilisait, mais enfin, il l'utilise dans certaines vidéos avec moi. Entendons par là que celui qui est accusé va vouloir se retrouver en situation d'accusateur. Et ce que j'ai démontré, c'est que les Israélites ont été accusés. Les gens du royaume du Nord ont été accusés. Ils ont été stigmatisés par les prophètes. D'où la formule d'ailleurs « Écoute Israël », qui est une façon d'interpeller les gens d'Israël. Il est absolument aberrant qu'on retrouve cette formule « Écoute Israël » dans le credo judaïque. C'est une des choses les plus aberrantes qu'on puisse imaginer. Donc, écoute Israël, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. On voit bien que c'est un avertissement contre les gens d'Israël. Que ça ne vise pas les gens de Judée. Et donc, ce qui se produit, c'est que dans l'inconscient collectif, si on peut dire, des Israélites, c'est-à-dire des Samaritains, des chrétiens, toute cette population qui était considérée comme païenne quelque part, mais ce n'étaient pas des païens ordinaires. Eh bien, finalement, ils sont arrivés à développer des accusations contre les juifs. À commencer par celle de déicide, évidemment, mais pas seulement. Ils n'ont pas reconnu Jésus, ils n'ont pas fait ceci, pas cela, ils ont démérité de leur alliance, et la seconde alliance, la nouvelle alliance, ne peut se faire qu'avec des non-juifs, etc., etc. Enfin, tout un discours accusatoire assez délirant. Mais ce qui est intéressant, donc, justement, c'est cette espèce de renversement accusatoire, parce que Deutéronome 53 le montre bien. Là, c'est une population qui est très, très rejetée, qui est bannie, qui honnie. Et même dans Luc, dans l'évangile de Luc, on reparle d'Élie qui va s'affronter en allant en Israël, d'ailleurs en allant dans le royaume du Nord, avec les prêtres de Balaam, etc. Et donc c'est intéressant, c'est cette espèce de renversement. Et puis aussi, comme je l'ai expliqué par ailleurs, je crois, de mettre sur le compte de l'humanité tout entière des péchés qui sont reprochés au royaume d'Israël. Alors, quand évidemment on met sur le compte de toute l'humanité, par le biais de Adam et Ève, etc., un péché originel qui en était est le péché des Israélites, et Jésus se veut le Messie des Israélites, il se veut annoncé par Moïse, qui est une invention des Israélites, des Bnei Israël, Moïse qui annonce un prophète qui va venir, etc., pour sauver les Israélites, pour leur pardonner. Parce que sauver ici, c'est sauver les gens de la faute commise, les sauver du péché originel, entre guillemets. Voilà donc brossé assez largement la situation.